vous l'avez compris, nous allons parler des mages. Et un constat, j'ai plus prêché le jour de l'épiphanie que le jour de Noël. Parce que le jour de Noël, souvent, les gens se reposent et il n'y a pas de culte, le 25 décembre. Et le jour de l'épiphanie, même si c'est le 6 janvier, on a un culte autour du 6 janvier. Alors imagine cette information étonnante. Un bébé vient de naître dans la nuit. Il y a les étrangers, c'est toujours étrange, qui sont là avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Joseph dit qu'il n'est pas le père géniteur et Marie dit qu'elle est toujours jeune fille. Ça alors. Quand les mages viennent, Jésus a environ 2 ans, parce qu'Hérode fait tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Et il n'est plus dans une crèche, mais il est dit qu'il rentre dans une maison. Dans les crèches provençales, on met tout ensemble, mais en fait, c'est plus tard, les mages. On a lu les prophéties tout à l'heure, je ne vais pas les relire maintenant. On dit que l'épiphanie, c'est la fête des missions. Pourquoi ? Parce que les mages sont des étrangers qui viennent de l'extérieur. Le mot épiphanie veut dire manifestation sur, révélation sur, épi, le préfet, sur ou autour. Une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Épiphanie, Dieu qui se fait connaître sur la terre. Luc et Matthieu racontent le début de la venue de Jésus. Luc va parler des petits, des bergers. Et Matthieu, son thème, c'est de montrer que Jésus est roi. Et il commence par la généalogie, où il montre que Jésus est fils de David, enfin, de la famille de David. Et voilà les mages. Les bergers, ce sont des marginaux, ils ne vont pas à la synagogue régulièrement, et les mages, ce sont des païens. Alors, comme il y a 3 cadeaux, on va imaginer toutes sortes de choses, à commencer qu'il serait 3, mais aucun texte dit que les mages sont 3. 3 cadeaux. Alors, il s'agit là des interprétations, des inventions les plus farfelues. On a dit un Africain, un Européen, un Asiatique, mais le texte n'est pas ça. Il vient de l'Orient, ça veut dire de l'Ouest. On a dit aussi un Perse, quelqu'un des Indes ou de l'Arabie. On leur a même donné des noms, mais le texte biblique ne dit pas qu'ils sont rois ni 3. Les mages aiment bien les appeler les chercheurs d'étoiles. Venus d'Orient, à cause de le nom mage, on pense qu'ils viennent de Perse ou de Chaldée. Vous vous souvenez que Nabucodonosor, quand il avait autour de lui des Juifs à cause de l'exil, a voulu qu'on interprète son rêve et alors il fait venir des spécialistes. Comment les Juifs ont-ils associé la venue, non pardon les Juifs, mais les mages qui étaient du monde païen, comment ont-ils associé la venue d'une étoile avec un roi qui naît en Israël? Eh bien c'est que les Babyloniens avaient connaissance des textes juifs, puisque les Juifs avaient été déportés en exil à Babylone, Daniel et ses frères. Et ils avaient dû entendre des choses comme cela, qu'une étoile viendrait. Des mages, leur marche est communautaire. Chacun apporte ce qu'il a, mais partir à la rencontre avec les gens, ce n'est pas toujours facile. Heureusement, comme dit Saint-Exupéry, nous regardons dans le même sens. C'est ce qui nous unit. Parce que sinon, vivre ensemble, et la rencontre avec les autres n'est pas simple, on voit la rencontre à Jérusalem. Question de pouvoir dans le texte, Hérode a peur. On nous dit, les historiens, qu'il s'agit ici d'Hérode le Grand. Hérode le Grand avait fait tuer ses 3 fils, sa belle-mère, sa femme, tous les garçons de 0 à 2 ans. Tout le monde bouge dans le texte de la naissance de Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les mages. Hérode et la cour connaissent le lieu, Bethléem, d'après les prophéties. Ils savent l'âge, l'étoile est apparue il y a quelque temps, 2 ans. Mais il ne bouge pas. Le problème d'Hérode, c'est que le savoir ne suffit pas. Le savoir sans l'humilité, l'humilité des mages qui questionnent encore, qui cherchent et qui osent questionner, qui osent dire « je ne sais pas ». Mais le savoir sans l'humilité, sans la modestie, c'est une catastrophe. Mensonge pour que je puisse l'adorer. Et vous savez que le 26 décembre, en Alsace et en Moselle, c'est encore un jour férié depuis le code de Napoléon.
On fête là la Saint-Étienne, le premier martyr chrétien, le massacre des innocents. En tout cas, le palais, le lieu du pouvoir, Jésus n'est pas là. Et ça nous laisse songeur, drôle d'époque, le lieu du palais, le pouvoir n'est pas là. Fascinante Jérusalem. Il nous est courant, nous aussi, de perdre l'étoile. Il la retrouvera en sortant, mais la conséquence est terrible, la mort des innocents. Alors, il y a trois choses pour nous conduire. Les mages ne peuvent pas se contenter du signe seulement. Ils ont besoin de passer par la parole de Dieu pour interpréter. Pour avancer, nous avons besoin de la Bible, du questionnement, de l'observation des choses et du Saint-Esprit qui nous conduit. Trois choses, la Bible, l'observation et le Saint-Esprit. L'année dernière, ici même, pour l'Épiphanie, je vous ai fait chanter « Il faut grand Dieu que de nos cœurs » avec cette parole que j'aime bien dans la nouvelle année, « Ce qu'il t'a plu de commencer sans se lasser, ta main l'achève. » Et l'étoile qui conduit, c'est comme le Saint-Esprit qui nous conduit, que j'appelle le divin GPS. GPS guidé par le Sauveur ou le Saint-Esprit. Le premier Noël, c'est de nuit. Et l'Épiphanie, l'étoile, c'est aussi de nuit. En rencontrant la nuit, on peut trouver la mort, comme Judas qui sort pour mourir et pour tuer. On peut rencontrer aussi les étoiles, la promesse faite à Abraham. Dieu se sert de tout, de l'arc-en-ciel pour Noé, du buisson ardent pour Moïse, de l'âne pour Balaam, de l'étoile pour les mages, des filets et des barques pour les disciples. Alors, quelle est l'étoile qui t'attire? Et Dieu se sert de tout. Le signe. Il a été dit au berger, vous le reconnaîtrez à ce signe, un petit enfant dans une mangeoire. Alors, on peut dire du cosmos, l'observation des étoiles, au petit enfant. Vous avez entendu parler de Yuri Gagarin, pour ceux qui ont un certain âge. Yuri Gagarin a dit « Je n'ai pas vu Dieu dans l'espace. » Et les mages ont vu Dieu sur la Terre. C'est le plus important. Une étoile, les autres l'ont vue, mais ne comprennent pas. Lui, la parole créatrice, en ce jour, épiphanie, il n'y a pas de discours, seulement la parole incarnée. De Jérusalem à Bethléem, de la capitale au village du palais, dans un modeste logis, les mages, après tant de routes, auraient pu dire « Eh bien, ce n'est que ça. » Et cependant, ils l'adorent. C'est une merveille de la révélation divine qui touche le cœur et qui fait comprendre les choses. Dieu est là. Et les mages acceptent tout, le bébé dans son dénuement, et aussi de garder le silence en ne retournant pas vers Hérode. La naissance, la crèche, comme pour les compagnons du devoir, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes là devant le chef-d'œuvre de Dieu, un tableau magnifique. Et face à cette œuvre, à cette fresque, est-ce que nous voulons de cette vie, de cette chaleur? De cette chaleur parce que Dieu n'est pas étranger au corps, puisqu'il prend corps. Noël, Épiphanie, Dieu s'est fait homme. Est-ce que moi je peux devenir homme devant lui? Et la réponse est oui. Les trois cadeaux. L'or pour le roi, l'encens qui monte au ciel pour la prière, et la myrrhe, c'était un parfum quand on veut faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime, c'était aussi pour embaumer les corps au moment du sacrifice de Jésus et de la mort d'une personne. Et quant à moi, alors quels trois cadeaux? L'or, des choses essentielles, du don de ma vie, la direction de ma vie que je donne à Dieu. L'encens de ma prière et la myrrhe de mon écoute, de mon amour pour Dieu. Au XVIIe siècle, John Bunyan a écrit un livre, Le voyage du pèlerin. Et tous ces problèmes, ces péripéties, le passage par Jérusalem illustrent notre chemin. Voici qu'après une longue marche, il ne rencontre à Jérusalem les mages qu'indifférence, méchanceté, mensonge, duplicité. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui ose demander encore, qui ose dire je ne sais pas? Face à ceux qui affirment aujourd'hui, et les faux pasteurs, et les faux prophètes, et les faux prêtres, face à ceux qui affirment Dieu est mort, il n'y a pas de Dieu. Les mages sont assez humbles pour poser une question et remettre les choses en cause.
en questionnement. Où est ? Ils ont dû en faire une tête, les gens, les bien-pensants. Où ? C'est la question essentielle de notre texte pour aujourd'hui, quand on voit l'état de notre société, l'état de l'Église aussi. Où est le Seigneur Jésus ? Que font les mages ? Le chrétien, sur la base des Écritures, a un côté subversif face aux autorités autoritaires, à l'autoritarisme, aux mensonges. Ils interrogent. Cette parole que tu me dis, où est-ce que tu la trouves dans la Bible ? Poser des questions, c'est tout un art. Et le Seigneur Jésus le sait bien. Jésus a dit quelqu'un, c'était un humoriste, est venu déranger le désordre établi. Matthieu 10, verset 19, Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas, dans les temps d'épreuve, ce que vous devrez dire vous sera donné à l'instant même. » Et la bonne question, face à ceux qui affirment avec beaucoup de culot. Et la bonne question, dans ces temps troublés où nous sommes, que le Seigneur nous soit en soutien, qu'il nous soutienne pour que nous soyons encore et toujours de bons témoins grâce à lui. Amen. Thank you.